Croyez-vous que Dieu nous appelle, appelle les hommes personnellement? Je crois pas. Oui, à bâtir un monde mieux, un monde où tout le monde peut trouver son bonheur, puis où est-ce qu'on peut apporter un petit plus à son prochain. Ma conscience m'appelle à être meilleure envers les autres, à faire de mon mieux à chaque jour, à être altruiste. Si c'est ça Dieu, ben c'est merveilleux. Je pense vraiment pas, parce qu'il nous a oubliés. Parfois, j'ai comme l'impression que oui, mais c'est pas clair. Alors, ils nous appellent tous, certainement, personnellement. On l'écoute malheureusement pas suffisamment ou on l'entend pas, mais ils nous appellent. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui celui qui nous appelle. Peut-être que vous trouvez un peu bizarre, étrange, que l'on parle comme ça de Dieu, de Jésus, mais il faudrait être très attentif à ce qui nous arrive dans nos vies, parce que Dieu nous parle. Au-delà des circonstances, au-delà de ce qui nous arrive, il y a Dieu qui nous parle. Et François, je pense que dans le Vox Pop, justement, il y a un monsieur qui faisait un peu allusion à cela. Oui, c'est ça, je trouve ça très intéressant. Ce monsieur-là a mentionné que, oui, Dieu nous appelle, mais des fois, on ne l'écoute pas, ou peut-être simplement on ne l'entend pas. Mais l'Évangile, c'est ça le message. Il y a un message qui doit être d'abord entendu et ensuite, on doit répondre à cet appel-là. Mais malheureusement, il y a quelque chose chez l'être humain qui se débat, qui combat, qui lutte contre cette idée. On ne veut pas laisser Dieu intervenir dans nos existences et on se pose après ça la question... Pourquoi ça va si mal? C'est ça. Il faudrait dire aussi que, oui, Dieu nous appelle à travers les circonstances de la vie, mais quand il veut nous parler d'une manière claire, c'est à travers sa parole qu'il le fait. Alors, c'est vers là qu'il nous dirige presque toujours, finalement. Dans la chronique, la Bible répond, Jean-Pierre va parler justement de cet appel de Jésus qui est nécessaire. Et nous entendrons aussi le témoignage de M. Michel Leblanc, qui va nous raconter, lui, de quelle façon il a non seulement entendu, mais reçu ce message de l'Évangile. Et lui, il l'a fait, c'est un peu particulier, là, devant un ami, dans un restaurant. Et justement, le message, c'est François qui va nous l'amener. Et le chant, aujourd'hui, sera interprété par Jacques Whitney. Alors, ensemble, découvrons-le. Jésus nous appelle-t-il vraiment à lui? Pour plusieurs, la simple formulation de cette question peut sembler complètement surréaliste. Parce que pour beaucoup de gens, Jésus n'est qu'un mythe. Pour d'autres, il n'est qu'un personnage historique sans plus. Mais pour nous, à l'heure de la bonne nouvelle, nous croyons vraiment ce que la Bible dit qu'il est, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Et à cause de cela, nous n'avons aucune difficulté à croire qu'il est bel et bien vivant maintenant et qu'il peut intervenir dans la vie de qui il lui plaît et comme il lui plaît. Et heureusement pour nous, car nous avons tellement besoin de lui. Qui de nous n'a pas besoin d'un peu d'aide? Qui de nous n'est pas un peu ou beaucoup écrasé par les soucis de la vie? Et heureusement, Jésus est là pour intervenir. Voilà pourquoi il nous place un jour ou l'autre devant sa parole. Voilà pourquoi il nous place un jour ou l'autre devant une émission de télévision comme celle que vous écoutez maintenant. C'est afin que vous puissiez entendre son invitation et y répondre. Et son invitation, la voici telle qu'il l'a formulée lui-même il y a 2000 ans et que l'évangéliste Matthieu a conservée. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28, nous lisons « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Oui, Jésus nous appelle vraiment à venir à lui, afin de nous soulager, afin de nous libérer.
Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, JEH5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. Je pense que plusieurs se souviennent du fameux octobre de 1987. Où il y a eu une chute de la bourse. Et puis tous ceux qui avaient des actions en bourse s'en souviennent, j'en suis certain. Et j'étais de ceux-là. Québécois a pris donc la décision de se défaire de plusieurs assistants et adjoints. Et je faisais partie de ces adjoints-là qui ont été congédiés. Alors, en 13 mois, quand on perd ses avoirs, quand on perd son travail, je peux vous dire que ça m'en donne un coup. J'avais entre-temps eu des rencontres avec Bernard. On m'avait dit, attention, quand tu parles à ce gars-là, faut que tu te montres pas trop intéressé parce qu'il va te parler de religion. Alors, j'ai commencé à travailler avec Bernard, j'ai commencé à parler avec Bernard, j'ai commencé à même fréquenter Bernard. On se voyait pour le golf, on se voyait de temps en temps pour des petits soupers en tête-à-tête. J'aimais bien ça, parce que Bernard, c'est un gars qui écoute, et c'est un gars qui dit certaines paroles qui m'intéressaient. Il parlait de la Bible, il parlait des prophéties, il m'expliquait le rapport des prophéties avec les choses qui se sont passées, les choses années, puis je trouvais ça intéressant. Puis je me posais la question, comment ça se fait que mon ami prêtre m'a jamais entretenu comme un dessinateur industriel comme Bernard m'entretient? Alors, au début du souper, c'est bien évident que j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit à Bernard, « Bernard, ça n'a pas de bon sens, regarde. » La perte de mes placements, la perte de mon emploi, et maintenant, je peux dire que je m'en allais vers la perte de ma famille. Parce qu'en effet, Sylvie m'a mentionné que s'il n'y avait rien qui changeait, qu'on s'en allait vers le divorce. D'ailleurs, elle m'a confirmé qu'elle avait déjà entrepris des démarches pour ça. Alors, Bernard, tout confus, mais délicat comme je le connais habituellement, pris son temps, a pris une bonne respiration et m'a dit, « Michel, savais-tu qu'il y en avait un qui avait tout perdu aussi pour toi, qui a descendu de son trône de grâce pour venir sur la terre pour justement payer la dette que toi, tu as encourue à cause du péché que l'homme a fait. Tu n'aurais jamais pu, toi, comprendre ces choses-là si ça ne t'était pas arrivé. » Mais j'ai dit à Bernard, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? J'aurais pu prendre la décision avant que tout ça m'arrive. Et Bernard m'a dit, « Bien, Michel, ça fait 3 ans que je te le dis. » Mais tu n'écoutais pas. Et je me suis aperçu que c'est vrai que je n'écoutais pas. Et là, le puzzle prenait toute sa place. Les morceaux de puzzle étaient maintenant placés. Et là, je comprenais qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec moi dans ma vie. Et là, j'ai compris le plan de Dieu pour ma vie. Et je n'ai pas pu faire autrement que d'arrêter, de regarder Bernard et de dire, « Bernard, tu viens de m'apprendre une chose merveilleuse. Et je te déclare, ici même ce soir, que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il est mort pour moi et je ne veux pas qu'il soit mort inutilement. Je veux qu'il soit mort pour que je fasse partie de son plan. » Découvrons ensemble celui qui nous appelle par notre nom. J'aimerais vous raconter un peu aujourd'hui une belle histoire, cette histoire de Zachée que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc. On lit ensemble quelques versets qui nous rapportent le principal de cette histoire. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée était d'abord, faut-il le dire, un drôle de bonhomme. Il était un juif, mais qui travaillait pour le gouvernement romain. Il était collecteur d'impôts, chef en plus collecteur des collecteurs d'impôts. Et cet homme n'était pas beaucoup apprécié, c'est logique, puisqu'il était un peu considéré comme un traître. Pire encore, cet homme avait cette réputation d'être voleur parce que ces gens, on les connaissait comme demandant davantage de taxes pour en garder le plus possible dans leur poche, de telle sorte que ces hommes-là étaient généralement assez confortables, voire riches. Et Zachée, malgré le fait qu'il était riche, peut-être même dans une mesure parvenu socialement, il lui manquait quelque chose, d'où probablement ce désir de voir, de rencontrer Jésus. C'est ce qu'il a fait, et on le voit courir, lui, le PDG des collecteurs d'impôts, on le voit courir et grimper dans un arbre pour voir Jésus. Et lorsque Jésus arrive tout près de lui, il lève les yeux vers lui et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous savez, il y a des promesses pour ceux qui cherchent. Et Zachée était de cette catégorie d'hommes qui cherchaient à voir Jésus. Jésus a dit que ceux qui le cherchaient le trouveraient. Ceux qui frapperaient, on ouvrirait. Il y a vraiment des promesses encore pour nous aujourd'hui, si on est sincère, si on cherche vraiment d'entrer en contact et de découvrir qui est Jésus. Imaginez notre Zachée comme ça, perché en haut de son arbre, et quand il arrive, le Seigneur Jésus lève les yeux vers lui. Ce petit geste en dit long sur l'intérêt de Jésus vis-à-vis ce Zachée. Il en dit long parce que Jésus de toujours s'intéresse au monde, s'intéresse aux gens, s'intéresse à la misère même humaine. Et là, on le voit dans cette histoire. Vous connaissez cette histoire de la brebis perdue où le berger cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Voilà l'attitude de Dieu encore aujourd'hui vis-à-vis chacun d'entre nous. Il y a une déclaration que Jésus fait à Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Cette déclaration, il nous la fait encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est une déclaration un peu particulière. Zachée est loin d'être une bonne personne, on l'a vu ensemble. Pourtant, Jésus l'appelle. Et c'est intéressant, il l'appelle par son nom. Zachée était connu de Jésus et probablement que Jésus, de toute évidence, connaissait beaucoup plus que son nom. Il savait tout de lui. Vous savez, Dieu connaît tout de nous. Il sait qui nous sommes. Il sait beaucoup plus que notre nom. Il sait peut-être en ce moment même si vous êtes découragé, si vous avez des difficultés, il les connaît. Mais il connaît aussi, malheureusement ou heureusement, notre péché. Nulle créature n'est cachée devant celui auquel nous devons rendre compte, nous dit la Bible. Malgré tout, Jésus aimait Zachée et s'était intéressé à lui de la même manière qu'il s'intéresse aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Non seulement il nous aime, mais il est intéressé aujourd'hui même d'entrer dans chacune de nos vies comme il est entré dans la maison de Zachée. Zachée a répondu oui à cet appel de Jésus. Ce qui s'est passé par la suite n'a été possible que parce que Zachée a répondu positivement à l'appel de Jésus. Zachée se hâta de descendre, avons-nous lu ensemble, et le reçut avec joie. C'est à ce moment que Jésus lui a dit, quand même, faut-il le dire, quelque chose de bizarre. Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » C'est une expression quand même curieuse. D'abord, il n'est pas dit que Zachée a embrassé une nouvelle philosophie, une nouvelle doctrine, voire même une nouvelle religion. Zachée
c'est le Seigneur Jésus ou le salut qui est entré chez lui. Et ça, c'est nul autre qu'une personne, le Seigneur Jésus, qui est entré chez lui. Le terme salut signifie une délivrance. Et si Jésus peut être appelé le salut, c'est parce que Jésus est celui qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être délivrés de la condamnation du péché, nous dit la Bible. Parce que, pécheurs, nous sommes condamnés vis-à-vis la sainte loi de Dieu. La Bible dit, lisons-le ensemble dans l'Épître aux Romains, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus, qui est sans péché, a rien de moins que subi la colère de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand sur la croix, Jésus s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que, à ce moment-là, Jésus portait le châtiment de nos fautes. Il a été traité par Dieu comme si lui était l'auteur de tous les péchés que nous avons commis, vous et moi. Dieu offre maintenant à chaque être humain un complet pardon en vertu de ce que le Christ a accompli sur la croix. À la demande de Jésus d'entrer dans sa maison, Zachée a répondu oui à cette demande. Et quand Jésus entre dans la maison de quelqu'un, il y a tout un ménage qui s'accomplit. Et voyez-vous, lisons ensemble ce que Zachée a décidé de faire le jour où Jésus est entré dans sa maison. On lit au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Non seulement Zachée ne reconnaît qu'il est pécheur et ne conteste pas du tout ce que les gens pensaient de lui, mais Zachée fait ce que la Bible appelle une réelle repentance en faisant et en voulant même faire réparation des fautes qu'il aurait commises dans le passé. Eh bien, laisser Jésus entrer dans notre vie implique nécessairement que nous le laisserons faire le ménage qui s'impose dans nos vies. De la même manière que Jésus est entré dans la maison de Zachée, Dieu veut aujourd'hui aussi entrer dans notre maison. Comme pour Zachée, il nous voit, il s'intéresse à nous. Et si nous répondons oui à l'appel, le salut va entrer aujourd'hui dans notre maison. C'est ce que la Bible appelle la conversion. L'histoire de Zachée aurait été fort différente si Zachée n'aurait pas laissé entrer Jésus dans sa maison. Et la seule façon que la vie de Zachée a été changée, et si Jésus a pu dire « le salut est entré aujourd'hui dans ta maison », c'est parce que Zachée a répondu oui à cet appel de Jésus. Je vous invite aujourd'hui à répondre aussi oui à cet appel de Jésus et de le laisser littéralement faire le ménage dans votre vie, de vous repentir de vos péchés, de croire que Jésus est celui qui a pris votre place sur la croix du calvaire. Et Dieu, il y a une promesse formelle qu'il nous donnera le pardon de nos péchés, qu'il nous accordera la vie éternelle. Il faut le faire. Vous avez cette invitation qui retentit encore aujourd'hui et vous devez répondre oui, comme Zachée a répondu oui à l'appel de Jésus. Est-il quelqu'un si seul qui n'ait besoin d'un ami? Est-il un cœur malade qui n'ait besoin? Est-il un désert
sec qui n'ait besoin d'eau. Est-il une âme perdue qui n'ait besoin vraiment ressuscité.
plus seul sur le chemin. Jésus t'aime, oui, il t'aime. Viens, tu n'es plus seul. Merci beaucoup, Jacques Whitney, pour ce chant qui nous rappelle que finalement, oui, parce que Jésus nous aime, il nous appelle. Il nous appelle à venir à lui parce que lui seul peut vraiment combler les plus grands besoins que nous avons. Et le premier de ces besoins, c'est un besoin de pardon. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et par la suite, Dieu fait de nous ses enfants. Et là, il répand sur nous ses bontés à chaque jour. Et on entre dans une relation merveilleuse avec Dieu. Et tout cela se fait, bien sûr, à travers l'appel. C'est pour ça qu'il ne faut pas résister. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, lorsqu'on entend que Dieu nous appelle, il faut vraiment, de la façon la plus rapide possible, répondre à l'appel de Dieu et ne pas remettre à plus tard de répondre à cet appel. Et François, l'appel de Dieu se fait également à travers, bien sûr, ses enfants, parce que Jésus a dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qui va se produire la semaine prochaine à Saint-Jean-Chrysostome. Oui, c'est vrai, c'est ça. Nous, on veut répondre justement à cet appel que le Seigneur nous fait. En fait, on brûle d'envie de vous partager le message de l'Évangile. Et je vous invite personnellement, je vais être là à ce déjeuner de l'espoir au restaurant Pizza Royale à Saint-Jean-Chrysostome, 780 rue Commerciale, à 9h, samedi le 18 mars prochain. Je vais vous y attendre et je vous invite vraiment avec enthousiasme d'y être. Et des déjeuners de l'espoir, il y en a un petit peu partout également à travers la province de Québec. Il y a, vous allez voir dans quelques instants un numéro de téléphone, mais aussi un site Internet. Vous pouvez juste aller y faire un tour et vous allez voir si dans votre région, quand il y a un déjeuner de l'espoir. J'aimerais aussi vous rappeler que l'émission L'heure de la bonne nouvelle est présentée également sur Internet. Nous avons un site et toutes les émissions, les dernières séries sont présentées. Alors, n'hésitez pas, on aime communiquer avec vous et c'est la raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de L'heure de la bonne nouvelle. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.dejeuner.org. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret contenant 4 DVD pour la modique somme de 15$, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Pour toi, au tombeau, il n'est pas resté.